Je veux tout d'abord remercier Thierry Boyard, ici présent, parce que tout au long de ma carrière, il m'a accompagné sportivement. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Et on s'est connu même quand il n'était pas en politique. Alors, c'est vrai que c'est un de mes admirateurs. Il était toujours là pour nous supporter, il venait nous voir à l'entraînement et tout. Alors, je suis vraiment très content. Je voulais aussi remercier Alexandre Vincendet, le maire de Rieux, et Franck Fournier, qui ont œuvré avec Thierry Boyard pour que j'ai cette médaille, qui me fait super plaisir. Ça me touche vraiment. Je veux aussi remercier tous les habitants de Rieux et tous ceux qui sont à la salle. Remercier tous mes amis, ma famille, tous ceux que j'aime, mes collègues de boulot. Et j'ai grandi à Rieux-la-Pape. J'ai commencé la boxe dans une salle de boxe à Rieux avec Claude Lautier. Et on s'entraînait dur. Mais ce qui était bizarre, et ça je veux le dire à tous les jeunes qui sont dans la salle, je faisais partie des plus mauvais boxeurs de la salle de boxe. Alors, ça donne de l'espoir à tous ceux qui sont dans la salle, les jeunes et les moins jeunes. Mon entraîneur, Claude Lautier, qui était au club de boxe de la SCS, on était avec des copains. C'est vrai que, combien de fois il m'a engueulé, il a rouspété parce qu'il demandait ce que je faisais à la salle de boxe. Mais avec la réussite, la persévérance, et pouvoir s'entraîner un peu plus que les autres et pas lâcher, m'a permis d'arriver au niveau que vous connaissez, que Thierry Boyard a annoncé, 4 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde. J'ai boxé dans le monde entier, et c'est vrai que quand je suis devenu champion du monde à Villeurbanne chez moi, à force de boxer à l'étranger, ça m'énerve un peu, mais c'est vrai que quand on m'a proposé Don King de faire le combat à l'Astrobal, c'est formidable. Je suis devenu champion du monde devant tous mes amis, ma famille et tous ceux que j'aime. Ce premier sponsor, et ça me fait vraiment, ça me touche. Merci.